nouveau trailer, ça y est, de Sparking Zero, je l'ai pas encore vu, je rentre tout juste du taf, voilà, je vois pas 16 heures pile, c'est inacceptable, mais au moins comme ça on le voit ensemble. Allez, on perd pas un seul instant, je suis trop pressé. Let's go! Normalement c'est l'arc. Voilà, voilà! Oh oui! J'ai vu Evil Boo. Ok. J'ai vu Evil Boo. Ça y est! Bon, c'est en anglais, Berk. Oh! Voilà. Il y a de l'ambiance. Ah, le Grid Saiyaman avec le bandeau, ça c'est cool. Mais je crois qu'on l'avait déjà vu, hein, si je dis pas de bêtises. Bon, la musique de Gotha Power, fatalement, c'est pas un coup d'enjeu, malheureusement. Popovich et Yamu, on en avait parlé. On l'avait dit, les gars. Ah, Babidi jouable. Puis, c'était sûr. Babidi jouable, je le sentais pas nécessairement. Gohan adulte, super simple. Il y a pas mal de personnages, il a pu rester beaucoup de place. Est-ce qu'on va avoir tous les bouts? Majin Vegeta, on l'avait déjà vu. C'est beau. Ah, ouais, j'aime bien. Franchement, je suis très très. Enfin, je vous l'ai déjà dit 10 milliards de fois, mais je suis ultra fan. Oh! Fat Boo, je crois qu'il y était déjà. Si je dis pas de bêtises, il y était déjà. D'ailleurs, cette image, on l'avait vue. On l'avait vue dans les. C'est pas Long Jump? C'est beau. C'est très très beau. C'est vraiment très 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 beau. C'est magnifique. Pour moi, il y a. Voilà. C'est superbe. Il n'y a pas que ça, il manque des trucs. Ok, Goku SSJ3. Bon, c'est plus beau que dans le premier SSJ3 qu'on avait vu. Ok. On veut voir les bouts là. On veut voir les autres bouts. On va voir les autres bouts. On a vu, on a aperçu Evil Boo déjà. C'était. Oh là là, franchement, je suis trop content. Si je dis pas de bêtises, il y était pas dans Tenkaichi 3. Hein. Peut-être que je dis n'importe quoi, mais je suis quasiment sûr de moi. Mon Super Boo, c'était évident. Super Boo, c'était évident. Ok. Gotenks déjà vu. Ultimate Gohan, bon. On l'avait pas déjà vu Ultimate Gohan? A priori non, puisqu'il l'annonce comme ça, donc c'est qu'on l'avait pas vu. Allez, on va voir les bouts là. On veut voir les bouts. On va Boutenks. Voilà, Boutenks, c'était sûr, avec les techniques du donut et tout ça. Buhan. Buhan. Est-ce que le Noblou, le bout super musclé, je pense qu'on l'aura pas. Quand il a absorbé le Kaioshin. Ah, Vegeto, mon personnage préféré, mon personnage fusionné préféré. Il a vraiment beaucoup trop de flow. Ah, cette musique, dommage qu'elle y soit pas. Il a vraiment beaucoup, beaucoup trop de flow. Bon, Kid Buu, logique. Logique, logique. Ah, je sens qu'il va être infernal. Il va être infernal. Soit il est toujours infernal parce qu'il est petit et tout, on peut pas forcément toujours le toucher. C'est infernal ce genre de perso. Sympa, je suis vraiment pressé. C'est dans un mois, les gars. C'est, on y est, hein. On y est, c'est dans un mois. Ah, c'est très très beau. Rien de nouveau sous les cocotiers, j'ai envie de vous dire. Voilà. On n'a rien eu de spécial. Attends, est-ce qu'on peut faire pause là? Est-ce que je vais y arriver? Ah, j'ai pas reçu. Ah, non, les gars, c'est relou. Ok, donc, Boutenks. Hein. On a Buhan, Super Boo, Kid Boo. C'est vrai que c'est, les Z n'avaient pas été annoncés. Evil Boo. Donc, on a déjà 5. On a déjà 5 Boo plus. Le gros bout qu'on avait eu avant, donc on a quand même, on a 6 bouts, hein. On a 6 bouts, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup, et c'est cool, moi je suis très content, je suis très très content, je vois rien apparaître là, ça se passe où, où est-ce que ça, non mais il n'y a pas eu que ça, ah, il y a eu le Grid Saiyaman, ça fait 6 persos, Gohan adulte, Babidi, intéressant, Ultimate Gohan, ça c'est, j'ai envie de te dire heureusement, hein. Et effectivement, le Gotenks SSJ3, on l'avait déjà eu. Ok, super intéressant. Alors, là, on arrive au moment important. On arrive au moment important, les gars. Pourquoi est-ce que je dis qu'on arrive au moment important? Parce que ça y est, DBZ, c'est terminé. On a eu droit à l'arc Saiyan, on a eu droit à l'arc Namek, on a eu l'arc Cyborg et l'arc Cell. L'arc Majin Buu est terminé. Donc là, il nous reste un petit peu de super. Je suis très impatient de voir ce qu'on va avoir dans Super, et on va voir si on va avoir ou non du Dragon Ball GT. Est-ce qu'il y a de la place pour GT? Est-ce qu'il y a de la place pour Dragon Ball? Puisque a priori, il y a le Tao Pai Pai à liker. A priori, Kid Goku à liker. Donc fatalement, on va compter. On va compter ça ensemble. Donc il nous reste combien d'espace? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18... 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25. Et ben j'ai envie de vous dire les mecs, on a de la place. On a de la place ou on n'a pas de place? Sincèrement, on a de la place de zinzin. Moi je dis qu'on voilà, on est vachement bien. On va pas se refaire tout le trailer parce que j'aimais bien le refaire, faire des pauses à certains moments. Pourquoi? Bah tout simplement parce qu'il y avait des petits détails techniques qui étaient intéressants, les échanges de coups, les effets, toutes ces choses-là. Je pense que du point de vue technique, même si bien évidemment il y a toujours à redire, etc., on a vu, je pense, l'essentiel. Là vraiment, ce qui était important, c'était quel personnage est-ce qu'on allait avoir. Bah, on s'est pas trop planté, hein. Nous on a vu... On avait fait une petite vidéo ensemble, si, pour ceux qui se rappellent, où on avait essayé de deviner un petit peu qui est-ce qu'il y allait avoir. Après, j'ai un petit doute, parce que pour moi, Yamou n'y était pas. On l'a vu, et là, il n'est pas apparu. Alors, dites-moi dans les commentaires si je dis absolument n'importe quoi, mais Spopovitch avait été annoncé. Yamou n'avait pas été annoncé, je crois pas, et pourtant, là, on l'a vu. Alors, est-ce que, du coup, c'est un personnage qui n'est pas jouable? Ce sont pas un petit peu étonnant, peut-être qu'il... Dites-moi, parce que je dois dire une bêtise. Là, je regarde rapidement, je le vois pas. Je suis extrêmement étonné. Moi, j'avais annoncé Yakon. Je pensais vraiment qu'on allait avoir Yakon. Je me suis planté là-dessus. Je me suis planté sur Babidi. Je pensais vraiment pas qu'on aurait Babidi. Bah, à choisir, sincèrement, je préfère clairement avoir Babidi qu'avoir Yakon. Donc voilà. Je suis très surpris pour Yamou. Étant donné qu'il y a Spopovitch, peu importe. On va pas faire 15 minutes là-dessus. Mais 25 personnages, il y a de quoi espérer, il y a de quoi espérer pas mal. Parce que même au niveau de Dragon Ball Super, j'ai envie de vous dire, je vois pas trop qui ils vont pouvoir rajouter. On va en avoir quoi Dragon Ball Super? Allez, soyons généreux, soyons très généreux. Admettons on en a 10 de Dragon Ball Super, et j'y crois pas du tout. Pour moi on va en avoir 4 ou 5. Mais admettons vraiment on va compter large, on en a 10. C'est-à-dire qu'il reste 15 persos. S'il reste 15 persos et que dans la partie Dragon Ball, ils nous font pas de doublons, c'est-à-dire qu'ils vont nous mettre, qui? On a Goku, on avait dit qu'ils nous mettraient, Tao Pai Pai, on va certainement avoir le Roi Piccolo, Tambourine, Drum, etc. Si on a du Dragon Ball, hein. Je dis pas que ça va être le cas, mais je dis si on part sur du Dragon Ball, c'est certainement les personnages qu'on va avoir. J'y croyais pas, mais ça sent bon de fou pour Dragon Ball GT, hein. Là, il y en a qui vont être contents. Et moi aussi, je suis pas le plus grand fan de Dragon Ball GT, vous le savez, hein, je l'ai souvent dit que c'était vraiment pas ma cam, DB GT, mais je suis extrêmement fan des personnages de GT. Alors moi, tu me mets du Goku SSJK, du Vegeta SSJK, du Gogeta SSJK, tu me mets du Oob fusionné avec Boo, tu me mets du Baby Vegeta, tu me mets du Goten méchant, des trucs comme ça, ouais, je suis refait. Tu me mets les dragons maléfiques, je suis refait, tu me mets du super C17 en termes de chara-design, ah bah là, tu me fais kiffer ma session. Tu me fais kiffer mon jeu. Donc là, j'ai envie de vous dire, les gars, ça sent vachement bon. Un trailer qui fait du bien. J'ai envie de vous dire, plus qu'un mois, on va kiffer. On va se faire des lives dessus. D'ailleurs, là, ceux qui sont chauds, dites-moi en commentaire ceux qui ont envie, là, que soit sur Twitch, soit ici sur YouTube, comme vous voulez, qu'on se fasse des tournois un petit peu de la commu, là, je jouerai un petit peu, mais je pense que je ferai surtout le commentateur. Si ça vous dit qu'on est pour pouvoir élire le champion de Sparking Zero, je pense que ça peut être assez bon délire. Dites-moi un petit peu ceux qui sont chauds pour participer. Si je vois que vous êtes que 4 ou 5, ce sera pas... on le fera pas, mais si vous êtes nombreux, franchement, pourquoi pas, c'est un truc qui pourrait m'éclater. Franchement, c'était cool, très content, c'était le Shogun. Tchuss!